Dieu vous demandera de compte. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y a beaucoup d'irresponsabilités, beaucoup d'opportunisme. Voyez-vous, vous avez tous suivi dans la foulée des élections sénatoriales ces cirques, cette foire à la corruption. Comment voulez-vous diriger, avoir une conscience tranquille, s'asseoir au Sénat tout en sachant qu'on a corrompu? Malheur à vous. Malheur à vous. Comment voulez-vous diriger une province tout en sachant que vous avez arrosé, vous avez enivré les autres élus? Des mallettes ont circulé. Vous avez fait jouer la fibre ethnique. N'est-ce pas? Ah, moi je suis votre frère. Ouais, c'est, non, ok, ok. Vous avez combien? Bon, j'ai 15 et 10, non. Ma voix là? C'est que tu ne sais pas avant toi quelqu'un passer avec 20. Vous voyez? On commence à marchander. Où sommes-nous? C'est vrai que nous pouvons rigoler, mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas avec ce genre de personnes que nous allons faire avancer ce pays. Car il y a des personnes qui sont eux-mêmes des problèmes. Comment voulez-vous trouver des solutions pour ce pays si vous avez des gens qui eux-mêmes au départ sont des problèmes?